pire, c'est quand on a fait l'action que la voiture est tombée en panne. Enfin, on était tous sur l'autoroute à 3-4 heures du matin. C'est une inspection. Continue. Attention, ils sont en revêt, hein. Vous avez une autorisation. C'est du soldat. C'est parti, c'est quoi? C'est du soldat. Oui, c'est du soldat. Appelez la gendarmerie. C'est du soldat. Vous croyez pour où, là? Les gens, il faut arrêter d'empoisonner. Ouais, c'est pas vous hein, qui les empoisonnez. Non, on n'a pas dit ça. Comprenez bien que c'est pas contre vous. C'est des actions sensibilisées. C'est sur les déclarations de Normandie. Vous avez bien vu qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'OGM nulle part et tout ça. En fait, il a dit des mensonges. Ce matin, les faucheuses et les faucheurs volontaires d'OGM sont sur le site de la coopérative Arteris à Castelnaudary dans l'Aude. Ils ont deux objectifs. Vérifier les variétés de semences tournesol prêtes à être semées. VRTH, qui veut dire variété rendue tolérante à un herbicide. OGM, variété Clearfit plus semences conventionnelles. Et si nécessaire, mettre en application les décisions de la Commission de la justice de l'Union européenne et du Conseil d'État pour pallier aux carences du ministère de l'Agriculture et du gouvernement. Remettre à cette occasion au Premier ministre
un rappel au respect absolu et immédiat des arrêtés et injonctions des juridictions suprêmes de l'Europe et de l'État. Dénoncer aussi le mensonge du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur la nature non-OGM des produits issus des nouvelles techniques de mutagénèse. Aujourd'hui, le gouvernement est hors la loi. En fait, si c'est produit ici, c'est à cause du gouvernement. Parce que le gouvernement dit que ce ne sont pas des OGM. Or, la directive 2018 dit que ce sont des OGM. Et ça a été confirmé par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Sauf que, comme l'État français dit que ce ne sont pas des OGM, ou bien c'est des OGM qui n'ont pas à être réglementés, effectivement, les entreprises produisent ça. Et en fait, c'est le gouvernement qui est dans l'illégalité, parce que depuis que la Cour de justice lui a dit de réglementer ça, il ne l'a pas fait. Il devait le faire au mois d'août et il ne l'a pas encore fait. Donc évidemment, les gens qui travaillent ici disent « ben nous, on produit dans la légalité ». Sauf que c'est le gouvernement qui ne prend pas les lois et les règlements qui devraient être faits en conformité avec l'Union européenne et en conformité avec le Conseil d'État français. Voilà. Donc c'est d'où l'ambiguïté en disant, nous on dit c'est illégal, et on nous dit, mais si c'est légal. Et non, c'est le gouvernement qui est dans l'illégalité. Et ce qui est encore plus sournois, c'est que le gouvernement français a entamé une procédure au niveau européen en disant, pour écrire je soumets le décret à la Commission européenne, à l'Europe, et c'est une manière élégante, pour eux en tout cas, de botter en touche, puisqu'on sait très bien que la réponse de l'Europe va prendre du temps. Donc, le gouvernement dit, de toute façon, les décrets, on est obligé d'attendre que l'Europe ait réagi à la validité des décrets qu'on veut édicter. Par contre, ce qui est complètement faux, c'est que ce type de procédure n'a strictement rien à faire au niveau européen. C'est faux de dire que pour écrire les décrets, pour édicter ces décrets, il faut passer par l'Europe. Juridiquement, c'est faux. Il n'y a pas du tout besoin de ce passage. C'est simplement un subterfuge pour retarder encore et encore. L'innocuité de ces produits n'a jamais été démontrée. Donc là, on peut être dans un principe de précaution. Et en plus, on sait que ça marche main dans la main avec les pesticides. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Et là, pour le coup, les pesticides, on sait que c'est hautement toxique pour les humains, pour tous les écosystèmes, pour tout le tissu vivant. L'abus, l'utilisation massive des pesticides encore et encore. Pour les abeilles, c'est une catastrophe. Les abeilles, c'est les sentinelles de l'environnement. Moi, je suis apicultrice et je vois les dégâts toute l'année maintenant. C'est pas juste la sortie de l'hiver, c'est en plein été, en automne, en hiver et un petit peu en printemps, puisque la plupart sont mortes avant. Et les abeilles, quand il n'y aura plus d'abeilles, on n'aura plus aucune diversité alimentaire. Je voulais revenir sur l'alimentation du monde, puisqu'on nous dit que ce système d'agriculture très intensif qu'on a, pour lequel on fait ces OGM, c'est pour nourrir le monde. C'est complètement faux. D'ailleurs, l'ONU, le rapporteur à l'alimentation de l'ONU, a déclaré il y a déjà 7 ou 8 ans que 70% de l'alimentation mondiale est produite par des petits paysans qui ont moins de 2 hectares et qui n'utilisent aucun de ces produits et aucune de ces semences qui sont vraiment l'autosubsistance dans les pays comme l'Afrique, l'Asie, etc. Qui représentent 80% des paysans. Et qui représentent seulement 25% des terres cultivées. Oui, mais 80% des paysans. Et 75% des terres cultivées en agro-industrie ne produisent que 30% d'alimentation. Alors qu'on arrête de nous bassiner avec cette histoire d'alimentation. C'est une agriculture qui détruit les sols. Aux États-Unis, il y a des millions d'hectares qui sont plus cultivables. Donc on met en danger justement l'alimentation mondiale avec ce système d'agriculture-là. Depuis 2008, on déclare à tout va qu'il n'y a plus d'OGM en France. Donc c'est un mensonge depuis 2008. Les gouvernements qui se sont succédés ont menti en français. D'une part parce qu'il y a une importation énorme de soja transgénique et de maïs aussi qui sont utilisés dans l'alimentation animale. D'autre part parce qu'on a développé ces plantes qui ont contourné la réglementation contre les OGM et qui sont des plantes tolérantes à des herbicides. Depuis 2008, les Français ne savent pas qu'en France, on continue à cultiver des OGM dans leur dos et on continue à les faire manger aux animaux et aussi par l'intermédiaire de toutes les huiles dans leur alimentation quotidienne. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. On demande au gouvernement d'arrêter de nous mentir et de nous empoisonner. Ouais 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 les OGM, on n'en veut pas.
Laissez bien le masque sur le monsieur Soumant. Ça, c'est un canon. Non, vous pouvez remettre. Ouais, mais on peut pas. Si, ça vient. On fait que des canons. Là, vous êtes sur la suspicion de culpabilité. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les objets ont le pas. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les objets ont le pas. Allez les gars. Demain peut-être. Voilà. Est-ce que vous voulez que je reçoive deux personnes dans mon bureau? On voudrait bien 2-3 personnes. 4-5. On essaie de ne pas dépasser 6 parce que. Voilà, c'est 6. D'accord. Merci. Tous ceux qui ne seront pas dedans sur dehors. Hein, Ce matin, on est allé faire une visite chez Arteris pour voir s'il y avait des OGM mutés qui, normalement, d'après la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État, devraient être réglementés. Et quand ils sont autorisés, il devrait y avoir des précautions de culture et tout ça. Donc on en a trouvé chez Arteris et on les a détruits naturellement puisque normalement ils devraient être bien signalés comme des OGM et ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, après l'action, on est venu là en parler avec la DDTM qui est un organe décentralisé de l'État pour lui indiquer qu'effectivement l'État ne respectait pas les décisions de la plus haute autorité administrative, le Conseil d'État, qu'il avait demandé de faire la liste des OGM qui étaient exclus de la réglementation. Et l'État n'a absolument rien fait. Et pour se dédouaner, il a fait une demande, il a prévu un projet d'arrêté qu'il a soumis avant à la Commission européenne, alors que ce n'était absolument pas nécessaire. Et il attend maintenant les réponses des autres pays de l'Europe et de la Commission, alors qu'il n'en avait absolument pas besoin, que ça ne faisait pas partie des procédures. Mais tout ça parce qu'il y a une pression énorme des semenciers, des lobbies, qui eux voudraient que la réglementation de tous les OGM soit revue au niveau européen, ce qui leur permettrait de cultiver de façon beaucoup plus facile les OGM, quels qu'ils soient. Voilà, et donc là on est venu rappeler à l'État qui devait se conformer aux décisions du Conseil d'État. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM.